coup de cloche à Tilapli avec Iso, Chris là, nèg yo font campé sous guerre. Mais j'aime pas nous cloche ce matin parce que population entre mes alva qui occupation yo et c'est ça matin débat demandé pour que nous capable entrer dans conscience nous, entrer dans nous-mêmes pour nous comprendre que grain haïtien qui sorti dans le grand sud, grain haïtien qui sorti Kafoua, grain haïtien qui sorti dans le NIP, grain haïtien ça qui besoin vinn vaqué à occupation yo ici. En pile étudiant qui besoin à l'étudier, qui obligé rester la ville, qui pas qu'à traverser Al Kafou. Mais je ne veux dire là, monsieur, m'a nous coup cloche encore parce que nous campé guerre. Nous montrer c'est nous-mêmes qui autorité dans moment là. C'est nous-mêmes qui gérer espace là. M'a nous coup cloche parce que nous sincères dans ça nous dit. Depuis nous dit, moun qui a passé, moun passé sans problème. Et ça que je cap constater matin là, c'est que tout le monde a passé sans problème. Et me féliciter nous, monsieur. Parce que nous baillons population, nous tendons matin débat, nous baillons population, nous tendons pilote citoyen, nous tendons Rate Caraïbes, nous tendons diverses radios qui demandent nous un petit la paix, un petit cal la paix pendant la fête de, pendant les fêtes de fin d'année. Parce que population, c'est au jour le jour, ils vivent. Et me féliciter nous, monsieur, parce que moi-même, pour me critiquer nous, pour me féliciter nous, Même j'aime féliciter la police, ok, pour quelques coups de filet qu'elle fait, ok, côté au mari, on sait des bandits. Ok, me féliciter la direction générale de la police nationale, et sous leadership, DGLB, qui lui-même, a fait un travail exceptionnel au niveau de la police nationale, qui fait que les policiers reprennent confiance. Et coup de cloche pour DGLB. Dégagez-le. Ou est comment est capable, de faire prévention, éviter à ce que trop de monde kidnappe trop de monde. Nous voulons pour que les gens qui kidnappent tout, il faut que nous mettions pour des plaintes dans le CPJ. Il faut nous porter plainte dans le CPJ, parce que le CPJ qui a gagné, okay, qui a habilité pour mener enquête sur question kidnapping. Nous avons une cellule dans la police qui a créé les cellules anti-kidnapping, qui sont cellules contre-enlèvement. Si vous ne portez pas plainte, l'homme malade, si vous ne dites pas des médecins qui sont gagnés, ou pas capable de guérir, c'est pour dire médecins. Ces médecins qui ont établi à travers le diagnostic qui ont établi pour être capable de gérer la question maladie là. Et bien, c'est même gens, la police nationale, par le biais de la cellule de anti-kidnapping, la cellule contre enlèvement. Dans les années 2012, c'est parti, j'ai fort sous leadership Laurent Lamotte avec Reginald Delva, sous leadership directeur général Godson Aurelius, en pile résultat à bail. Godson Aurelius comme directeur général de la police nationale. Et puis nous avons M. Rameau. Nous avons Normile Rameau comme directeur central de la police judiciaire. Même je ne comprends pas, ces derniers temps, le directeur central de la police judiciaire, à savoir M. Frédéric Lecomte, qui a pris l'expertise, hein, dans la question anti-kidnapping. Donc, je besoin pour que plus ouais M. Lecomte à l'œuvre. Je voulais pour moi plus à l'œuvre. Je ne veux dire là. Pour nous mettre marron, c'est de kidnappeurs. Mais tout, nous reprochons de monde, victimes de ce fléau, de ce phénomène de kidnapping, qui pas jamais porté plainte au niveau de la police nationale. Si vous ne pouvez pas porter plainte pour dire que vous avez kidnappé, qui gens la police pas capable de faire opération pour mener opération pour qu'abriver et prendre un monde dans les bandits. En pile fois, nous, FBI mène une opération, il réussit là-dedans. Côté on prend. Et otage là, mais c'est la négociation. Alors, parlons de ça. Où sont passés les missionnaires? Les 15 missionnaires. Les 15 missionnaires restants. Et les 12. Les 12 missionnaires restants. Et 17 l'été. Et 17 l'été. Et 5 qui l'a eu. En tout cas, bon, c'est une belle question. Et alors, il y a mon seconde. Il y a un incident là qui passait dans la ville Belader. Et nous parlons avec un citoyen dans la zone là, et pour nous un petit détail. Alors c'est directeur yon radio qui Belader, qui parle bon nous, c'est Junior Lacroix qui parle bon nous, vraiment un petit détail. Bonjour Junior, comment nous y est? Bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour Monsieur Telfort, bonjour à député Pierre Matet à tous, bonjour Isaïe César, bonjour le co-désir, merci de m'attendre de l'île. Son vrai nom saluer tous les amis auditeurs qui embrochent l'émission Matin Débat, spécialement les amis en Belader qui attendent l'émission 1 et son antenne 107.1 Radio Bela FM. Ok, alors incident qui passe à qui ça lié? Alors, nous c'est la coiffette et mes assesseurs, une Belader. Ok, ok.
Alors, selon le premier élément de formation, tu as eu un incident qui passait dans la ville, qui s'est lié? Justement, il y a un incident qui a produit depuis dimanche, qui s'est lié, c'est que il y a une altercation qui est posée entre quelques agents CIMO qui au niveau de la douane de Belader avec quelques jeunes garçons dans la commune, et après l'agence a été sortie, donc altercation a vini, et par la suite, ça a coûté la mort d'un jeune garçon de 23 ans, qui c'est Raphaël Event, qui a tombé en bas balle, et un agent à CIMO. Mm-hmm. Et tout de suite, après, un jeune garçon a tombé, donc Belader qui a vraiment levé sous panique, côté que les amis, famille et quelques membres de la population, eh bien, ils ont même levé, ils ont manifesté donc pour réclamer justice à préparation pour un jeune garçon hein, qui lui-même qui tombait. Hein. Donc ça va passer depuis dimanche, en pile caoutchouc et baboulé dans la ville Belader. Donc au niveau des commissariats de Belader, donc dans le périmètre là, en pile caoutchouc, taboulé là. Donc ils exigent pour que tu es capable de gagner une délégation qui vienne pour capable de dialoguer et avec les familles pour connaître exactement. Qui ça qui a fait et ont exigé tout pour que la justice lui-même attendre et agent en 6 mois pour être capable après jugement pour être capable de condamner lui pour ça ça et qui posait donc maintenant je dis à qui c'est mercredi hein, donc bref il y a un mouvement qui reprend encore côté que au niveau non parti commissariat Belader côté en pile carreau soit boulé en pas commissariat pour monde qui connaît et pas chez Belader. Donc, façon que le commissaire a logé plusieurs lotes incapables de dire là-dedans, mais c'est comme si on passage pour passer en bas commissariat pour sortir et pour faire autre frontière pour aller. Mm-hmm. Donc, c'est dans l'espace que en pile caoutchouc a boulé la cognac qui a pratiquement bloqué la circulation. Et ça cause un pile panique, puisque jeudi à jeudi, c'est mercredi, c'est jour marché au niveau de la commune de Belader. Eh bien, machin, yo sous pression, qui a quitté, couru, quitté machéa, et en pile l'école, qui a eux-mêmes, et en pile parents, qui a justement, obligé de prendre l'argent pour capable de chercher Timounio l'école, de suite avec incident, ça, qui posait. Mm-hmm. Mais ma vie, que ça, l'arrivée là, l'arrivée tout, c'est parce qu'il y a un problème de communication, on est capable de dire, problème de collaboration au niveau de la mairie de Belader. Raison qui fait me dire ça, c'est parce que, souvent dans toute mairie, mes principales sont toujours comportés comme maître et seigneur, ils n'ont pas jamais consenté avec assesseur dans la pièce de décision qui est prise. Mm-hmm. Donc malheureusement, moi-même comme assesseur, et après moi-même, je prends là oui, pour, avec la police pour qu'ils soient capables de joindre avec parents victimes pour connaître qui ça doit faire. Donc c'est dans la bouche monde, dans la rue qu'on attendait. Mes principales là, donc tu fais chita, tu as une délégation qui est pour aujourd'hui, elle n'est pas venue. Tu as une délégation qui est pour venir hier, elle n'est pas venue. Donc, nous avons senti que donc, c'est la farine qui a brûlé. Donc, maintenant, ils ont passé à l'action. Okay. Donc, et tout ça, en fait, là, nous-mêmes, comme assesseurs, nous pas au courant de rien. Et voilà, après, on a parlé, c'est nous-mêmes qui n'avons rien là, qui a calmé la situation pour ça, elle n'est pas aggravée plus. Donc, maintenant, nous avons exigé pour que capable d'une délégation rapidement qui vienne de la DEA pour capable chita, parler ensemble avec eux pour qu'on ait qui ça a décidé. Mm-hmm. Et dit, toutes les fois, délégation, elle n'est pas venue. Pour venir parler ensemble avec eux, eh bien, Belader, vous le connaissez du moment qu'il faut qu'on chame connaît depuis l'existence. Mm-hmm. Alors, et jeune garçon, ça, c'est pas accident li mourir ou bien circonstance-là, c'est à. Expliquez-nous bien, est-ce que c'est pas accident li mourir? Ou bien est-ce qu'il a identifié backup qui était là, ou bien policier qui t'a lui-même produit? Non, il est tombé directement sous balle réelle. Balle réelle des agents Idmoa, après t'as gagné une altercation entre eux, t'as semblé avant, t'as gagné des propos qui t'a fait répéter les deux côtés, et t'as semblé t'as gagné un contact physique qui t'a fait tout. Donc par la suite, et puis agent Idmoa, c'est l'information qu'il a gagné, qui mettait Belader vraiment sous panique, côté jeune dit à la. Les machins qui étaient dans le marché, ils ont obligé à en pile là-dedans, obligé à aller quitter le commerce, ils ont tombé, capable tout, dans le moment où il y a l'école, les parents ont couru, peut-être chaud pour aller chercher si on y a l'école. Donc c'est vraiment et panique au niveau des Belader. Et évidemment, les mêmes qui sont censés dépasser nous quelque part. Donc parce que la police des Belader, effectivement, qu'elle n'a pas qu'à répondre et avec ça qui a passé. Hein. Et en comprenant des Belader, et les mêmes façons pour que ça a fait là, les gérer, ça fait nous utiliser le dialogue pour côté
un monde qui a contesté pour nous voir qui ça fait. Mais néanmoins, nous-mêmes, nous sommes des pieds militaires, nous. Jusqu'à ce qu'il y ait une délégation qui vienne, puisque nous avons mobilisé là. Alors, laisse-nous dire une délégation de qui secteur, une délégation de qui ça, de qui monde? Une délégation, surtout au niveau des sections générales, puisque qu'on est les ces policiers qui tirent les jeunes garçons, ils ont exigé ça. Et pour venir, pour connaître qui ça qui a décidé, puisque moi on a parlé à un jeune garçon, l'inan mort, je demandais pour que le funérail soit capable de faire, puisque la famille elle-même n'est pas en mesure pour qu'elle ait même fait le funérail, hein, mm-hmm. Et pour capable de dédommager et réclamer tout pour que le jugement soit fait, et pour que l'agent Simosa, qui lui-même tue le jeune garçon ça, pour que lui soit allé dans la prison. Donc c'est ça que nous même nous réclamé, et j'aime tout là, donc nous espérons que l'autorité est concernée, donc, au plus haut niveau de l'État, et qui attendait, donc ils arrangé pour qu'ils soient capables de faire les déplacements. Donc nous essayons de parler avec le commissaire Beladelan, qui a été démarché, qui a fait, pour que tu aies gagné la délégation qui vient. C'est vraiment sérieux, ce qu'on a dit là, donc nous pas souhaiter que donc autorité concernée, donc au niveau des plus au niveau de l'État, pour que yo prenne ça à la légère. Donc sinon tu es, donc Belade capable de connaître des moments qui sont vraiment douloureux là. Donc suite avec ça qui est passé au niveau de Belade. Donc au niveau des commissariats et dans la ville de Belade, donc il n'est vraiment pas impraticable. Suite avec tout le caoutchouc qui a boulé plusieurs côtés. Donc vraiment c'est avec cachet pour obligé utilisé et pour passer. Et ça qui fait tout le monde ne pas arrêter propre actuellement. Donc suite avec le caoutchouc de temps en temps avant lui-même qui a levé. Et tout le monde m'a parlé à voilà. Ils ont parti au niveau des commissariats, donc déjà, et j'aime dire là, qui gagne tu fais la dans donc nous laissons calmer pour que tu fais. Ou qu'on est Belade, nous pas gagné pompier, et nous connaissons un incident pareil qui était à cause au niveau de l'église catholique de Belade, et ça, donc nous t'es exigé pour que tu es capable de doter Belade d'un sapeur pompier, donc pour les gagner tu fais comme ça, donc pour être capable de répondre avec la situation. Comme si Ville Belade pas gagné un camion pour qui t'a capable de répondre à genre de besoin ça ou non? Si j'ai ma téléphone, mon niveau de faut même pas quoi gagner on s'appelle. Donc l'intégrant incident qui passe Belade, c'est grâce avec support Elias Pinias qui est venu tu fais pour nous à plusieurs reprises. C'est-à-dire moi-même comme magistrat, moi t'ai crié pour que au niveau des radios, pour que j'étais capable de doter des Belade avec un sapeur-pompier. Et m'étais lancé message là avec toute couche dans la société, surtout la diaspora haïtienne, diaspora des Belade, pour recommander qu'on mette ensemble pour Belade gagner un sapeur-pompier. Ou quand imaginez, M. Telfort, Belade gagne la donne 5 pompes à essence. Et actuellement, nous avons un sixième là qui a fait. Et nous, qui dégâts, gaz à faire dans le pays. On t'a dit société, c'est un événement pareil qui t'a répété Belade. Vous pouvez imaginer combien de monde a perdu vidéo, combien bien a perdu au niveau de Belade. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas gagné. J'aime tout profiter de ça. Parce que nous avons gardé tout ça en face. Moi-même, comme autorité, ça permet que les pompiers qui arrivent pour capable d'éteindre. Donc c'est toujours la République dominicaine qui peut supporter avec nous. Et vous connaissez Belade, M. Telfort, son passage international lié, des bus qui ont fait transport entre Haïti et la République dominicaine, qui m'oblige rapidement de se casser tête tournée, donc à suite avec Dufria. Et ce passe côté Dufria, ma parlance ma volant, il est pratiquement complètement bloqué circulation au niveau de Belade. Actuellement là, et au niveau des frontières Yaspignas, pas gagné connexion entre Yaspignas avec Belade pour le moment n'a pas la voilà. Et nous avons mobilisé. Pour le débloquer, c'est tu fais mettre pour le débloquer, faut gagner délégation hein, qui vient parler. Et puis le problème, c'est que là où même au niveau des magistrats, pas nécessairement bon monde vraiment au carré. Donc on a pour exemple, là que nous sommes magistrats, il y a un ministre intérieur, par exemple. Même là, nous ne pouvons pas parler directement avec le ministre qui est sous tête noire, mais au moins, tu as un service qui est disponible, là qu'il y a une mairie en difficulté, et bon côté le carré qui capote le secours. Donc pas que ça du tout, nous l'avons seul. Donc Belade nous déjà en difficulté, même pour nous enlever Fatra. On a que des sommes rivées, Belade n'a pas de courant, nous n'avons pas de blackout, c'est mandé, n'a mandé pour nous mettre quelqu'un à terre au niveau de Belade. Et voilà, mais ça qui vient de passer, nous ne connaissons qui ça nous voit. Mais déjà, moi, pour parler avec magistrat Elias Pignas, pour nous comment on a nos supports pour nettoyer. Et c'est grave, ça m'a dit là, M. Telfort. Comme si on a demandé. N'a demandé magistrat dans la ville Elias Pignas, en ville de République Dominicaine, écoute-moi pour nous nettoyer. Je n'ai pas le choix. C'est triste et c'est grave.
Donc Belader, qui m'a cherché à mettre pété la finale du plateau central, maintenant je dis à nous pas qu'à répondre avec une série de bagailles. Donc moi-même, dis et m'assume mes responsabilités. Hein. Moi déjà pour parler avec elle, pour moi descendre, pour ta supporter, non seulement au niveau de ça, pour au moins nous rajouter quelques adhères solaires pour nous mettre Belader, parce que nous plongeons complètement la question pas d'électricité, d'aller le soir, donc c'est fait noir total. Quand tu arrives si bas courant aux avions de 11h ou encore minuit, 4, 5 heures du matin, il est allé, il est parmi les 3 heures du matin, il y allait. Mm. Donc voilà la réalité au niveau de la ville de Belader. Donc il y a une ville frontalière, il y a une ville qui est la douane, qui est vraiment augmentée à cette fiscale l'État. Donc maintenant, quelle situation qu'il y a? Au niveau de la mairie, plus de 24 mois qu'ils n'ont pas payé. Donc pas de projet, pas de rien, Belader la guerre, elle est même seule. Donc voilà la situation. Donc pour nous capables de conclure ce téléphone, c'est que, donc il est exigé pour que délégation, hein, les capables de venir, capables de chita, parler avec famille victime, non? Donc pour que Belader au moins les mêmes l'État retourne au calme. Merci un pile, M. Lacroix. C'est moi pour remercier, non? C'est... Alors, mais...